Monsieur le ministre, vous avez pris part à cette prière ici à la présidence de la République. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez tout d'abord retenu du sermon de l'imam? Le sermon qui était principalement axé à travers ses propos sur la paix dans le pays et l'unité nationale entre les Guinéens. C'est que les Guinéens se pardonnent, s'acceptent et vivent ensemble dans la communion et dans la solidarité. C'est valable pour l'ensemble des membres de la communauté nationale, pour que tout le monde comprenne que c'est le pardon qui reste le sacerdoce du CNRD et du président de la République. Merci. Merci.